Señor. Surrexit Christus, alleluia. Hoste du ciel, bendice le Señor. Cantate Domino, alleluia. Je me disais, je me suis
fatigué pour rien. Et pour le néant, c'est en pure perte que j'ai usé mes forces. Et pourtant, mon droit subsistait aux yeux du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, le Seigneur parle, lui qui m'a formé dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob et que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai du prix aux yeux du Seigneur, c'est mon Dieu qui m'a force. Il parle ainsi. C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et ramener les rescapés d'Israël. Je vais faire de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles. Je rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles. Tu me souffres, Seigneur, et tu sais. Tu sais quand je m'assois, quand je me lève. De très loin, tu pénètres mes pensées. Tous mes chemins ne sont pas nés. C'est toi qui as payé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Étonnant de son présent, toute mon âme le sait. Mes os n'étaient pas cachés pour toi quand j'étais façonné dans le ciel. Je te rends grâce. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Dans la synagogue d'Antioche de Pisidie, Paul disait aux Juifs, Dieu a suscité David pour le faire roi et il lui a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils de Jessé. C'est un homme selon mon cœur. Il a accompli toutes mes volontés. Et comme il l'a promis, Dieu a fait sortir de sa descendance un sauveur pour Israël. C'est Jésus, dont Jean-Baptiste a préparé la venue en proclamant de bonne nuit un baptême de conversion pour tout le peuple d'Israël. Au moment d'achever sa route, Jean disait, celui auquel vous pensez, ce n'est pas moi. Mais le voici qui vient auprès de moi, et je ne suis pas digne de vous faire ses sandales. Fils de la race d'Abraham, et vous qui adorez votre propre Dieu, frère, c'est à nous tous que ce message de salut a été rendu. Parole du Seigneur. Toute la montagne de Judée, on racontait tous ces événements.
Tous ceux qui les apprenaient en étaient frappés et disaient, « Que sera donc cet enfant ?» En effet, la main du Seigneur était avec lui. L'enfant grandit et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il devait être manifesté à Israël. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Présente sur les deux jours les plus importants de toute vie, bien de notre vie, sont sans doute le jour de notre naissance et le jour où nous avons découvert pourquoi nous avons été appelés à l'existence. Le jour de notre naissance est quand nous découvrons le pourquoi de notre existence sur terre. Autant il y a des jours importants et particuliers dans notre vie, autant nous nous souviendrons de ces jours où nous avons dû prendre un engagement assez sérieux pour notre vie, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans la vie religieuse, que ce soit dans la vie sacerdotale. Quand nous savons pourquoi nous existons, frères et sœurs, et pour quelles raisons uniques Dieu a voulu que nous soyons sur la terre, on peut, à partir de ce moment, dire que nous sommes vraiment nés. Mais quand nous ne sommes pas conscients de notre naissance, de ce pourquoi nous sommes sur la terre, nous sommes comme la queue du veau. Nous tournons, ne savons pas où aller. Nous célébrons aujourd'hui la naissance de Saint Jean-Baptiste. La mission de Saint Jean-Baptiste a été planifiée avant même qu'il n'existe. Et lorsque nous y réfléchissons, notre existence est dans le plan de Dieu. Avant même que nous ne venions dans ce monde, Dieu a un plan et une mission pour chacun de nous. Et comme il avait un plan et une mission pour Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste a continué à accomplir sa mission dans sa vie et a préparé le chemin pour le Sauveur. Puissions-nous, nous aussi, accomplir tous notre mission dans la vie, afin que nous puissions voir la beauté et le merveillement du plan de Dieu dans nos vies et ce pourquoi Dieu nous a mis et suivait. Que Dieu soit glorifié et que Saint Jean-Baptiste intercède pour chacun de nous. Je crois en Dieu. Troisième jour, elle est ressuscitée des morts, elle est montée aux cieux, elle
fils de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et de sa vie. Nous déposons ces offrandes sur ton autel, Seigneur, pour célébrer comme nous convient la nativité de Saint Jean. Car il prophétisa que le Sauveur du monde viendrait et montra qu'il était déjà parmi nous. Jésus-Christ est ton fils, notre Seigneur, lui qui règne pour les siècles et des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le voulons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire. Je t'offre notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père, Saint Dieu éternel et tout-puissant. Nous chantons les merveilles que tu as accomplies pour le plus grand des enfants des hommes, Jean-Baptiste, le précurseur. Avant même de naître, il tressaillit d'allégresse à l'approche du Sauveur. En venant au monde, il apportait une grande joie. Il fut de tous les prophètes celui qui désigna le Messie, l'agneau de Dieu. Dans les eaux qui devraient être sanctifiées, il baptisa l'auteur du baptême. Enfin, il rendit au Christ le plus beau témoignage, le témoignage du martyr. C'est pourquoi, avec les puissances du ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en disant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour de la naissance de Saint Jean le Précurseur, qui a préparé le chemin au Sauveur des hommes, le Christ Jésus, lui qui est venu après Jean, mais qui existait avant lui. Et maintenant, nous te prions, Seigneur. Sanctifie cette offrande en répandant sur elle ton esprit et qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il le rendit grâce. Il le remplit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous avons la mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Nous anticipons mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons. Qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église et répandue à travers le monde. Fais la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons pas la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui
lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis la belle unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Par l'amour du cœur de notre Dieu, le Christ soleil devant est venu nous visiter. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis digne de te recevoir, mais nous sommes une parole du Seigneur. Thank you.
Prions le Seigneur. Seigneur, tu as refait nos forces à la table là où se donne la nourriture et nous te prions pour ton Église. Elle s'élève dans la joie la naissance de Jean-Baptiste, qu'elle sache reconnaître en Jésus l'auteur de sa propre naissance, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Nous bénissons Dieu de cette union que nous avons eue avec tous ceux qui nous ont écoutés par la magie de télévision Ecclesia, la télévision nationale des catholiques. Que Dieu veille sur chacun de nous et sur ceux qui nous écoutent et donne encore davantage et plus de moyens à cette télévision pour nous aider à évangéliser la Côte d'Ivoire. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Du ciel, bénissez le Seigneur. Cantons.